Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Charlène. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma skincare routine du soir. Donc comment je me démaquille le soir. Ce sont des étapes que je fais. C'est tout un rituel, c'est toutes des étapes, mais généralement ça me prend 5 à 10 minutes. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la première étape que je vais venir faire, c'est attacher les cheveux. On ne veut pas abîmer la lace. Une fois que mes cheveux sont bien attachés et que mon visage est dégagé, je vais venir enfin retirer mes faux cils. Avec une lingette démaquillante, je vais venir retirer la plus grande partie du maquillage. Les lingettes démaquillantes permettent simplement de retirer une plus grande partie du maquillage, mais pas tout, donc je vais venir faire d'autres étapes aussi. Je vais maintenant prendre de l'eau micellaire et du coton. Je vais venir retirer tout le maquillage restant. L'eau micellaire permet vraiment de nettoyer le visage en profondeur. Ça facilite le retrait du maquillage et en plus tout en douceur. Je vais prendre maintenant ma brosse pour le visage et mon savon noir. J'ai rincé mon visage à l'eau, maintenant je vais venir avec ma brosse nettoyante faire des mouvements circulaires afin de permettre au savon noir de bien pénétrer dans la peau. J'utilise le savon noir depuis des années maintenant. C'est vraiment efficace pour les cicatrices sur la peau, pour les taches, pour les boutons. C'est un produit 100% naturel, ça vient d'Afrique et c'est idéal pour tout type de peau. Je prends maintenant mon exfoliant, j'en mets un tout petit peu sur ma paume de main. Et je vais venir insister sur les zones à problème. Je vais légèrement insister sur mon menton et autour de mon nez. C'est vraiment des zones qui ont tendance à être très sensibles chez moi. Les grains sont fins, donc ça ne va pas du tout agresser ma peau. Une fois le visage bien nettoyé, bien rafraîchi, je vais venir le sécher. Ensuite, je vais mettre des gouttes de mon huile tonifiante qui va venir rafraîchir ma peau et l'hydrater. Je prends maintenant ma lotion hydratante qui vient de chez Clinique. C'est une lotion réparatrice, idéale pour les peaux sèches comme moi. Ça va me tenir hydratée toute la journée, tout en étant léger sur la peau. Je termine enfin avec mon traitement pour les lèvres. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Tous les produits seront notés en barre d'infos. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de commenter et de vous abonner sur ma chaîne. Et aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Ciao!